Hey, bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode sur Tomcraft, partie 3. Ouais, partie 3, donc épisode 9. En compagnie d'épée de monsieur l'altar qui a été refait. Ouais, il est plus swag, il est plus beau. J'ai mis un nitor histoire d'éclairer un petit peu la zone. Le four là, je ne sais même pas à quoi il sert, mais il me servira pour plus tard. Les notes, je vais pas les bouger pour éviter de faire crash le serveur, surtout quand il est 15h45 au lieu de qu'il soit 1h du matin. Voire 19h le soir, je crois qu'il redémarre à 19, donc ça devrait le faire. Nouveau casque évidemment, hein, donc il n'y a plus de retouches audio derrière, en arrière, donc ça va être génial. Puis voilà, donc normalement un son meilleur pour vous, et vidéo ça restera toujours le même pour l'instant. Donc, direction l'altar. Alors, l'altar a changé de place et a changé aussi de forme, voyez-vous. Je pense qu'avec tout ce cluster qui se trouve au plafond, je pense qu'il est stable. Même pour les versions assez, assez puissantes qui se fera ici. Parce que ça demande pas mal de ressources. Et en même temps, au niveau de l'alchimie, very high, je pense que ça doit fonctionner. Évidemment, il faut des tonium blocks, ça c'est chiant d'en faire, mais c'est pour faire les golems par la suite. Et les nitor en version au-dessus, j'ai jamais réussi à les faire. J'ai failli même faire foutre le feu tout autour de moi du fait que c'était complètement instable. Ah là, avec ça, ça devrait le faire. Intéressant. Ça, on y reviendra plus tard. Bon, alors, au niveau de l'altar. J'ai remis les petites bougies autour, j'ai modifié un petit peu le sol, hein, donc c'est pas vraiment obligé, mais c'est plus moi le côté déco et swag en même temps. Voilà, et puis quand on descend en dessous, on est dans la salle des jars avec différents aspects dedans, et ainsi que ce qu'il y a dessus, c'est les labels. Pour prochainement, avec le golem qui puisse accéder au jar tranquillement et qui puisse sauter dessus. Voilà, et puis il y a encore toutes ces jarres là, mais ça manque de perditio dans le coin, et même les nodes ne m'en produisent pas assez. Bon, enfin, ils s'en recherchent pas suffisamment, du coup. J'ai mis une arcade lampe là-haut pour éclairer toute cette partie-là, donc il n'y a rien d'autre, hein, sauf encore en dessous, mais ça on y reviendra juste après. Voilà. Au-dessus, j'ai mis des blocs, des under blocs, en plus ils sont bien, et on peut voir à travers, depuis le dessous, mais pas depuis le dessus. Ou voire très peu, mais voilà. Et du coup, je me suis mis ma petite installation au niveau de mes recherches et mes crafts. Et là, ça manque cruellement de perditio, c'est bien ce que je disais. Comment ça se fait cette table-là? Ah oui, c'est vrai, c'est deux planches et des slabs de bois. Est-ce que j'ai encore des planches? Je pense que oui, j'ai des planches. Où j'en ai pas, mais je vais en faire. Hop. Ah, du Greatwood, ça me donne du bois normal, c'est bien connu. Voilà. Hop, je vais en prendre qu'une. Je pense que je vais la mettre ici, c'est parfait. Un petit coup de baguette. Hop, c'est bon. Hop. Ok. On met ceci. Alors, ceci me permet justement de reprendre des Arcane Stone parce que j'en ai besoin. Pour faire mes deux autres crafts que j'aurai besoin tout en dessous, tout en bas. Hop, je les replace là-haut. J'ai besoin de 7 et 7, ça fait 14 fer. Hop, on les jarte, on s'en fout. Hop, ça me fait deux fours que je fais ceci, plus la baguette, pour qu'il me les transforme en crucible. Hop, hop, ça m'en fait deux. Que j'ai placé, je crois, là-haut, et j'ai besoin de... J'ai besoin de cobble, que je n'ai pas de cobble. Donc on va aller chercher de la cobble. De la cobble. De la cobble d'un amour. 9, 8, 16. Voilà. D'ailleurs, je suis un petit peu con, j'aurais pu demander directement des furnaces. Hop. La cobble, de toute façon, je vais en avoir besoin en quantité illimitée après. Donc... Vous verrez pourquoi. Pourquoi. Duc. Hop, mes deux fours. Donc le réacteur refonctionne. Hein. J'avais besoin d'énergie, notamment pour les laser drills là-haut. J'ai besoin d'énergie. Pour l'instant, il produit plutôt bien. J'ai même réduit au niveau de mes barres là-haut.
Je les ai descendus à 50 pour éviter qu'ils consomment trop par rapport à ce qu'ils produisent. Voilà, nous on monte là-haut. Ça doit être celle-là. Ouais, c'est ça. Hop! Alors, ça a besoin de 5 water et 5 inis, sachant que j'ai la baguette, voilà, et que j'ai toute mon armure pour l'instant, ça me consomme que 3,75 par craft, voilà, comme ça j'en ai deux. Une fois que j'ai fait ceci, alors, merci Google, deux fours, ok, on va notamment recharger la baguette, le temps qu'on aille en bas, hop. Vas-y, recharge-toi! Évidemment, elle n'a plus beaucoup d'eau. Du coup, après, elle va passer à lui, passera à lui, et lui se fera bouffer par tout le reste. Ensuite, en bas. Puf! Pouf! Voilà. C'est pour créer des aspects en version quasiment illimitée, hein, donc c'est pour ça. J'ai besoin. Alors normalement c'est ça, il y a un seul bloc au milieu, tac, tac, voilà. Ici je crois que, si je me rappelle plus, c'est pour du charbon, parce qu'il sort du linis et du perdicio. Et à côté, ça c'est de la cobble, ça sort du... De l'ignis, c'est du potentia, et la cobble, c'est du perdicio et de l'herba. Sachant que l'herba, on en a un petit peu rien à foutre. Du coup, on le mettra dans le void. Et par la même occasion, dessus, on a besoin de mettre... Je mettrai des élévateurs, ça va tellement plus vite. Ça, je m'en fous un peu. Hop, on a besoin les 1, 2, 3, 4. Voilà, j'ai besoin de les 4 là. Les tubes par la même occasion. Voilà. Ah! Merde. Bon, tant pis, ça fera des bulles. Hein. Ça va les bulles? Ça va tranquille? Ouais. Ah, d'ailleurs, en parlant de ça, tiens. Italium. Son classique. Non. Ah, ça fait de l'herbe maintenant. Oh! Eh, ça fait plus rien. Ok. Donc c'est pas très intéressant. On va redescendre, tac, tac, pouf, tac, yop, voilà. On en met un là, ici et ici, voilà. Ah, ça c'est beau déjà. Par la suite, par la même occasion, si je reprends mon petit schéma, il va falloir que je mette en contact direct. Alors, on a besoin des petites tubes. Hop, contact direct. Contact indirect. Voilà. Oh, ok. Ah oui, c'est un trou ici. Pourquoi j'ai mis un trou ici? Je m'en rappelle plus. Peut-être pour faire le centre. Sans doute. J'ai besoin de quoi d'autre? Une fois de faire le contact indirect, j'ai besoin effectivement d'ici une connexion directe. Où je me suis gouré complètement, je crois. D'accord. Non, oui, non, tu veux pas. Non. Bah, tu voudras bien parce que c'est obligatoire. Tac. Hop, ici, ça sera une void jar que je n'ai pas d'ailleurs. Vodja, Vodja, où est-ce que tu es, Vodja? Bah oui, comme j'en ai pas d'autres, faut que j'aille rechercher la baguette, merci. Que je remonte, que je réactive là, que je mette ça, hop, je vais en faire qu'une. Herba, non, c'est Terra, donc c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Pouf. Tac, Herba. Il fait sa petite popo. Donc c'est bien ça. Ici j'aurai tout le temps du charcoal. Ici je crois que j'aurai de l'alimentium. Ça sert également de combustible, mais c'est je crois que c'est 8 fois plus puissant qu'un charcoal. Et ça dure beaucoup plus longtemps.
Pourquoi tu veux pas te connecter? Pourtant, je t'ai bien mis là que je voulais. Non, non, te casse pas, toi. Ok, il y a bien un sens. Ouais, de toute façon, il y a un sens tout court. Pourquoi c'est lui qui veut pas? Pourquoi tu veux pas? Pourquoi? Perdition, c'est bien ce que je disais. Il m'entoure là-haut. Pourquoi il veut pas? Pourquoi tu veux pas, l'ami? Pourtant, je te connecte bien, hein. C'est ça qui est bizarre. Bon, je vais aller faire un petit tour chez BX. Oups. Hop. En même temps, ça permettra d'aller lui piquer des aspects, hein, pour recharger ma baguette. Ça, il faut rien dire. Hop. On va aller faire un petit tour chez lui. BX, bonjour. Hop. On voit rien. Voilà. Bonjour. Rechargement. Ok, merci. Voilà, lui il va se recharger. Alors bah c'est bon. Et perdition. Voilà, 60. De toute façon ça va recharger. Lui il a tout à fond, je crois. Ouais. Il a tout à fond. C'est-à-dire que j'ai pas assez de bibliothèque encore chez moi. Eh, j'ai oublié des clusters aussi. Ah bah non, sachant que j'ai l'altar, donc ça doit être ça. What? T'avais pas un coin pour... Ah si, pour descendre. Salut le golem! Ça gaze? Ouais. Alors, c'est un petit peu la même config que lui. Il a complètement modifié, mais moi c'est autre chose. Tu dégages? Merci. Voilà. Ah, c'est nettement plus beau, hein. Essence tube, ouais, c'est ça, essentiel tube. Perditio qui va là-dedans. Donc c'est initié perditio et potentiel, ça me fait de l'alimentium. Qui sort ici. Lui c'est de l'arrivée de charcoal. Bon, ça va être la machine là, je ne la connais absolument pas. Donc Inis, ouais c'est ça. C'est bien de l'herba ici. Du terra plutôt. Epni, ouais. Perditio qui est full, oui, normal. Potentia inis, ouais. Là-dedans, c'est du charcoal, tout à fait. Avec l'alimentum, normal. Ici, c'est de la cobble, avec l'alimentum, parce que lui, il peut se chauffer à ça. Cependant, moi, ça serait pour savoir pourquoi il ne se connecte pas celui-là. Pourtant il est correct, c'est le même truc quoi. Sorti là. Pourquoi il passe pas lui? Elle est où la sortie? Elle est là. Ah elle s'est renfermée. Ah non, c'est moi qui ai renfermé. Du coup, hop. On resserre. C'est là-bas. Là, je sens que je vais devoir upgrader toutes les... Tous ces trucs-là. Ouais. Ce jeu, je pense qu'il va être complètement plein. Même le fer est plein. C'est pas normal. C'est pas normal du tout. C'est moi qui est mal mis, mais... Non, bah non, c'est ça. C'est juste moi qui a dû faire une couille encore. Hop, le pot de fer. Pouf. Hop, normalement, ça va. Il y a tellement de bordel dans les coffres. Pourquoi de la... What? Ah bah oui, de la stone, c'est vrai. La stone. Ouais, bah je vais l'arrêter, la stone. J'en ai plus du tout besoin.
La stone, elle va là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Pouf. Voilà, comme ça. Quand j'aurai un item que je veux en grande quantité, il arrivera là. Seulement de la stone, j'en ai 5K. 5218. Donc je pense que j'en ai assez. Tado est toujours en mode mort. Normalement, il va me répondre oui. Normalement. Voyager, tac. Donc, j'en ai un fond encore 5. Il m'en faut encore 5. Putain, c'est long de faire ces Voyager. Je suis ce matin dessus. Hein. Depuis ce matin, je suis dessus. Donc, ça prend un certain temps, surtout si on n'a pas les nodes derrière qui nous en donne. Hop. J'ai encore besoin de Jarou. Là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ok, j'ai encore 9 jars à mettre, mais pour l'instant, je ne les ai point. Je voudrais savoir pourquoi lui, du coup, en dessous, il ne veut pas. Pourquoi tu veux pas, petit con? Ah, ok. Ok, ok. Évidemment, j'ai oublié ma baguette là-haut, sinon c'est pas drôle. Et me dis pas que j'ai pas assez d'aspect parce que je te claquerai la gueule. Voilà, il se connecte. Et normalement, tu te connectes pas. T'as envie de faire chier ton monde ou bien... T'as peut-être envie de te faire chier ton monde. Ah, sachant que lui, c'est lui. Ah, d'accord, j'ai peut-être te trouvé. Ah, fais chier, je me suis encore gouré. Voilà. Hop, connexion. Connexion, voilà, c'est mieux. Forcément. Si on n'indique pas ce qu'il y a là-haut, il est pas prêt de fonctionner. Évidemment, j'ai descendu un petit peu en tout. Ouais, ça va, il n'y a pas ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Donc, maintenant, ici devient la cobble pour nous faire de l'herbe qui se trouvera là-haut. Alors, est-ce que je peux mettre ça directement? Terra plutôt. Non, tu veux pas. Non, tu vas te faire foutre. Ok. Bien, ouais, on rajoute. Ah bah du coup, il faut que j'aille chercher du charcoal et de la cobble. Cobble, cobble. C'est très l'acide or. Charcoal, je vais en prendre que 8 pour l'instant, ça me suffit largement. De toute façon, je ferai un système avec Logistic Pipe directement, comme ça je suis tranquille. Je vais en reprendre 8 pour l'autre. Et l'autre, c'était quoi? Je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que c'était. Tralalalalalalal. Perditio et machin. Ah, bah c'est du charcoal au-dessus. Ok. Bon, bah du coup, je vais aller en rechercher encore plus d'un stack. YOLO. Déjà, cobble, un stack. Charcoal, un stack. Charcoal et le coal, c'est pareil. Hein. Je préfère le charcoal, sachant que je vais le faire quasiment en illimité. Donc, aucun souci pour ça. Parce que je vais faire une petite salle de... Une petite fabrique de bois automatique. Hop, hop. Cobble. Ici. Charcoal. Boum. Ça fait perditio. Là-haut, herba. Allez, tu veux me sortir le herbin un peu? Oui, bah oui. Forcément. Tu veux me sortir un petit coup le herbin? Voilà. Voilà, tu vois quand t'es gentil. Hop. Évidemment, comme c'est une void, ça veut dire que s'il y en a trop,
bah ça part dans le void, mais ça garde toujours ce qui va dedans. Perdition va là du coup. Maintenant ici, c'est du charcoal avec ceci. Donc ça va me faire de l'inis. Et en même temps, fuck it, this shit. Hop, l'inis et du potentia. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, ceci étant fait, maintenant, il faut qu'il me sorte quelque chose de sympa ici, sauf que je ne sais plus ce qu'il lui veut. Ce qu'il veut... je sais pas s'il faut mettre de l'eau dans le crucible. Donc je vais voir si j'ai besoin d'eau. Hop. J'ai un seau d'eau, et non une seau d'eau. Il me faut quoi d'autre? Alimentum, ça c'est sûr. Ah oui, un barrel. Hop, on va faire le barrel. Alors tout ceci permettra justement de pouvoir recharger en quantité quasiment illimitée. Tout ce qui se fera pour les jars et ce qui se fera ensuite pour Tomcraft de base et Tominic Tinker. Ceci permettra de faire justement comme il y a eu dans saison 3 mais version BX, plus on vous tape plus vous régénérez en fait. Et ça c'est vraiment les versions très extrêmes de ce mode là avec des instabilités quasiment tout le temps, mais qu'on peut le rendre plutôt stable. Voilà. Alors du coup il vous faut ceci, ceci. T'as mis le cadenas, non? Oui. Voilà. Et je pense qu'il faut de l'eau. Ou pas. Allô, oui? Oui, il se foule. Oui, je suis d'accord qu'il est foule, certes. Mais je voudrais bien que t'ailles là-dedans. Non. Non, tu veux pas. Qu'est-ce qu'il te faut là-dedans pour que tu me dises que ça fait de l'alimentum? Non. T'as décidé de me faire chier, toi. Pourquoi il lui faut quelque chose sur le côté? Ce BX l'avait fait comment, lui? Entrée indirecte. Bon, après, c'est des inventaires, je ne sais pas ce que c'est. Je sais que c'est de la cobble illimitée ici. Ça, je suis 100% sûr. Voilà, avec l'herbe au-dessus. Inis potentia. Donc, c'est du charcoal. Mais ici, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi ça veut pas? Pourquoi tu veux faire chier ton monde? On est déjà 23 minutes. Ah, ça passe vite. Pourquoi tu veux pas, toi? Peut-être parce qu'il faut que je lui dise d'aller en bas, mais ça m'étonnerait. Il a Perdition, Inis et Potentia aussi. Les trois là, normalement, doivent être corrects. Lui descend dans la Voyager. Et puis ça vient de sonner, donc on se retrouve juste après. Hop, et re tout le monde. Donc, alors, j'ai vérifié un petit peu pourquoi ça n'allait pas. C'est tout simplement qu'il faut du charcoal ici pour en extraire de l'alimentum en combinant le potentia, l'inis et le perditio. Ces trois aspects-là plus un charcoal nous donnent de l'alimentum. Voilà, c'est pour ça que je n'y arrivais pas. C'est tout simplement pour combiner ceci en fait. C'est un coal ou un charcoal avec 3 inis, 3 perditio et 3 potentia. Voilà, et ceci donne l'alimentum. C'est pour ça que je n'y arrivais absolument pas. Donc pour le coup, je pense faire ça comme ça. Faudrait que je lui mette un système. Qu'est-ce que
Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne correctement? Sachant que ici et en dessous. Alors en dessous, je vais devoir me remettre maintenant de l'aimantium une fois que j'en aurai en stock. Donc du coup, je vais demander à l'aimantium par en dessous. Du coup, je vais devoir creuser. Alors est-ce que je le fais par derrière ou par devant? J'aime bien les choses par derrière, c'est tellement plus classe. Pareil ici. Putain, c'est dégueulasse. Alors, alimentum. Et ici, bah, il y aura de la cobalt tout seul. Bon, je vais le faire comme ça. Et là-haut, devoir mettre. Bah, je vais devoir mettre par exemple du charcoal pour qu'il fonctionne correctement. Peut-être que je vais le mettre plus par ici finalement. Ouais, je pense que je vais le mettre là, comme ça j'ai un accès direct. Quoique, je ne sais pas, il faut que je regarde. Il faut que je regarde un petit coup. Cependant, ça va être un petit peu chiant, sachant que c'est du bois ici, que j'ai besoin de lave. Donc j'ai peur que ça me foute le feu. C'est un petit peu les inconvénients. Il n'y a pas du bois qui ne craint pas le feu, des fois. Je dis ça, je dis rien, mais qu'on est dans Minecraft, ça devrait fonctionner. Uroplastique, est-ce qu'il y a une forme de bois qui ne brûle pas? Ouais, de la glace qui font pas la lumière, oui, lol. Parce que sinon, il faudrait que je remplace tout ça par un peu de bois. Pas du bois, de la stone. Bah, je vais peut-être la remplacer tout de suite par de la stone. Les dalles de stone. Voilà. Et évidemment, je les ai posées quelque part, je ne sais pas où. Toi aussi, ici, voilà. Je vais reposer ma petite baguette. Hop, fais-toi pomper tous les aspects que tu veux. Alors, alimentation cobble au-dessus. Ouais, c'est ça. Alimentation charcoal ici et là. Donc, par derrière, par en dessous. Ici, que par en dessous. Ouais, ça va être plus simple. Alimentation supérieure. Du coup, alimentation supérieure. Ici, sur le côté. Ouais, c'est tellement plus classe. En soi, je pourrais limite le faire monter là et directement là, mais c'est pas trop un souci. Ou si... Ouais, non, parce que sinon j'aurais pu le relier vers le logistic pipe pour qu'il me balance directement du charcoal. Mais ça pourrait être un peu lent. Quoique, je vais peut-être le faire, sachant que c'est des suppliers, je crois. Ouais, c'est des supplier logistic pipe qui permet que si t'as un item qui manque à l'intérieur, il l'envoie aussitôt. Et ça pourra ne pas interférer avec comment? Les transfert pipe de Extra Duty. Ça pourrait être sympa. Puis ça transfère pas avec cela. Donc je pense que je vais les faire via logistic pipe. Sachant que par ici, je voudrais bien. Voilà, ici, transfert node. Ouais, peut-être que ça va connecter avec ça, mais ça m'étonnerait. Ça va connecter, mais je suis pas sûr. Ah, si ça peut aller là-dedans. Donc, niet, on va pas aller là. Interdiction formelle. Du coup, charcoal.
Charcoal aussi. Ici, cobble. Sachant que la cobble, c'est quasiment en illimité avec. Donc, je pense qu'il va pas y avoir de problème. Donc, je fais mon petite installation et je vous retrouve juste après. Et bon, alors, j'ai fait mon petit système tranquillement en mode gros barbare, bien pourri, bien facile à faire en fait. Du coup, j'ai relié au système central. Donc, j'ai chunk loadé pour éviter que justement il y a un côté qui se despawn et puis hop, ça drop. Bon, même si ça drop, c'est pas grave, il y a de la lave en dessous. Donc, du coup, c'est pas prêt de dépop. Néanmoins, je préfère quand même que c'est chunk loadé pour éviter tout souci, tout problème éventuellement par la suite. Alors, on va demander. Alors, si c'est bien ça, un charcoal. Voilà. On va dire qu'au supplier que j'ai besoin d'un charcoal ici et d'un charcoal ici. Voilà. Normalement, il doit y avoir une correspondance d'item qui doit arriver prochainement. En dessous, je leur demande quand même un charcoal et au-dessus, est-ce que j'ai encore une cobble là-dedans? Non, j'ai plus de cobble. Eh ben, on va lui demander de la cobble. Tac, je vais en demander un gros stack direct. Normalement, les items doivent arriver petit à petit. Hein. C'est du 1 par 1, je crois, qui arrive. Sauf la cobble qui arrive en mode gros stack ici. Hop. Tuc. Voilà. Et ici, j'ai besoin de cobble. Voilà. Alors, bien sûr, je vais mettre la cobble comme ça. Donc c'est en train de se faire, l'herba stockera ainsi de suite. Je vais carrément demander en mode infini, parce que sinon dans 150 ans on y est encore. Normalement là ça devrait aller assez rapidement. Voir un petit peu en mode bourrin. Ah oui, ça va plutôt en mode bourrin d'ailleurs. Ah oui, j'ai oublié. Ici c'est égal aussi à du charcoal. Voilà. Et normalement ça doit aller tout seul. Charcoal, charcoal, ouais, potentia, ouais. J'ai du charcoal qui arrive. Et normalement, tout se fait tout seul. Voilà. Tout se remet à jour. Hop. Ignis, Perditio, Potentia. Hop. Et ça y va. Et ça... Ça arrive tranquillement. Ah, bah c'est plutôt sympa. Je pense que je vais avoir une tonne d'items qui vont se balader pendant les câbles. Mais bon, ça, c'est pas trop grave, au pire. C'est pas trop grave. Pouf. Voilà. Ça arrive petit à petit, puis à chaque fois ça a besoin d'espace, bouffe, ça se met là. Voilà, bah c'est fun ça. Bon. En plus c'est fait avec du logistic pipe et en même temps, avant c'était la version upline, mais maintenant c'est pipe. C'est moins cher que le logistic pipe, surtout pour tirer des câbles en mode gogo, surtout si tu connectes 1, 2, 3, 4, 5, t'as 5, ouais t'as bouffé 5 canaux rien que pour alimenter ta petite machine à production d'alimentum. Voilà, en clair ça fait ça. Et puis là, bah voilà, charcoal ça arrive, et 3 ignis, 3 perditio et je ne sais plus quoi. Je ne sais plus. Perditio je crois. Ouais mais j'ai dit. Perditio, machin, et puis c'est quoi? C'est quoi? Je m'en rappelle plus. Chier. Bon bah tant pis. Est-ce qu'il me marque là-dessus? Non. Bon, tant pis. Du coup, ça fait de l'alimentum. L'alimentum est un excellent comburant. Voilà. C'est comme ça qu'on peut en faire. Et puis, ça a besoin de 4096 items pour que le baril soit full et que ça arrête toute la production. Voilà, c'est comme ça. Et puis, l'herbe là, bah, c'est en train de se vider tranquillement. Il n'y a aucun souci. Moi, je vais vous laisser dans l'épisode, hein, parce que ça va faire déjà un bon ouais, 35 minutes. Facile. Je vais relier tout ceci avec Computer Advance, les Network Pipes,
hein, la version add-on. Et puis voilà. J'essayerai de remplir les autres jars des aspects que j'ai soit en stock, soit j'ai con parce que j'en ai pas. Ça doit être surtout pour ça. Ouais, je les ai pas. Ici, c'est rempli ou pas? Non, pas encore. Ouais, ça va se remplir petit à petit. Je ramènerai d'autres nodes ici. Ouais. Ça pourrait être fun. Surtout, hop, hop. Voilà, surtout en mettre une là par exemple, une autre là, ou peut-être les déplacer au centre. Par exemple, la baguette se trouvera au centre et je déplacerai toutes les nodes autour. Enfin bref, je verrai ça dans un mouvement ultérieur. Oh, ah, c'est fun ça. Ah bah non, ça c'est une dalle. Bon, voilà en tout cas. Ça je la délète, ça je verrai ça plus tard. Gratwood, j'en ai plein. Tac, tac, tac. Inis, j'en ai plein, tac, 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 et tac. Voilà, allez, sur ce, merci de m'avoir regardé, n'oubliez pas le petit pouce bleu et non vert, et puis laissez le commentaire. Ah oui, j'ai encore tout ça à faire. Et ici, est-ce que tout est en illimité? Non, pas encore. Census non plus, lui non plus. Il reste encore quelques aspects à mettre, mais en tout cas, dans les recherches principales, tout est bon. J'ai cette recherche à faire. Voilà, allez, sur ce, merci de m'avoir regardé. Et à plus tard. Bah, plus. Ce sera plus simple.